Vendredi 4 juin 2021, chers internautes, très heureuse de vous retrouver pour cette autre édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. En ouverture de cette édition, Mutation nous informe que près de 20 femmes influentes au Cameroun écrivent à l'ONU pour demander son intervention dans la résolution de la crise sociopolitique dans les régions anglophones d'une part et au FMI de l'autre part pour demander à l'institution de Bretton Woods de ne point accorder un nouveau crédit au gouvernement camerounais avant la publication du rapport sur la gestion des 180 milliards de francs CFA alloués à la lutte contre le coronavirus. Entre autres signataires de cette lettre, nous avons la célèbre Rebecca Enonchon, Maître Alice Com, Tomaino Ndamjoya et Kawala. Le quotidien de la rue de l'aéroport décrypte cette lettre en page 10 et 11 de son édition de ce vendredi. En parlant du scandale Covid-Gate qui ne cesse d'occuper une place de choix en une des tabloïdes, on apprend d'Info Matin que 160 personnes sont interdites de sortie du pays dans le cadre des auditions qui se poursuivent. Haute personnalité, cadre de ministère, hommes d'affaires, tous dans le viseur de la justice, ils sont fortement soupçonnés de prédation des fonds alloués à la lutte contre le Covid-19. La chasse aux responsables du présumé détournement des fonds alloués à la lutte contre le coronavirus se poursuit du côté d'Essingan. On apprend que le directeur du cabinet civil du Premier ministre est annoncé en guest star au tribunal criminel spécial. L'audition de Balungeli Confiance Ebounet est prévue la semaine prochaine. On apprend par ailleurs d'Essingan que cette audition survient à la suite de celle de certains autres collaborateurs du Premier ministre Joseph Diangouté. Il sera auditionné dans le cadre des signatures des correspondances demandant aux mines santé d'attribuer le marché spécial de fourniture de 3 millions de tests rapides à l'entreprise Mediline Medical Cameroun SE. Nouvelle une à nouvelle actualité, Le Jour nous fait savoir que des leaders politiques et de la société civile se mobilisent pour la cause de 53 militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC détenus à Yaoundé, entre autres Bibouni Sack et Alain Foguet, arrêtés dans le cadre des marches du 22 septembre 2020 qui avaient pour objectif de demander le départ du régime Biya et s'opposer aux élections régionales. De la politique à la santé, il n'y a qu'un pas. Le quotidien Éco-Santé recommande 144 rapports sexuels par an et donc en moyenne 2,67 par semaine pour le bien-être. Ça, c'est en tout cas selon l'avis des sexologues. Dans cette édition d'Éco-Santé, on vous propose des astuces et techniques pour entretenir une vie sexuelle épanouie. Astuces à lire en page 6 à 7. Et de la diplomatie pour se quitter avec Cameroun Tribune, l'ambassadeur français au Cameroun, Christophe Guilou, reçu par le chef de l'État hier jeudi. Au menu de leur échange, la relation bilatérale entre le Cameroun et la France, la situation dans la sous-région et les conclusions du sommet de Paris sur le financement des économies africaines. Pour plus de détails, lire la page 2 à 3 de Cameroun Tribune, édition de ce vendredi. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci de nous avoir regardés. Surtout, passez un très bon week-end. À nous revoir lundi.